Eh bien bonjour Twitch et YouTube, on est de retour sur un autre jeu que d'habitude, parce que, comment dire, moi je voulais un petit peu de changement pour ce week-end, et en plus de ça, ça fait longtemps que j'ai pas streamé, parce que cette semaine j'ai eu quand même pas mal de travail, IRL, donc... Ça n'a pas été aussi simple que prévu pour pouvoir stream chaque soirée. Mais bon, là normalement, la semaine prochaine, tout va bien se passer et on va pouvoir recommencer à streamer. Donc ça va être quand même beaucoup plus pratique. Laissez-moi vérifier donc que tout est bien en place. Donc le stream a l'air de fonctionner. Ça n'a pas l'air mal du tout. Du coup, on est parti. Voilà. Alors, je vais juste... partager le stream. Hop, c'est bon, un petit peu de temps. Voilà, donc du coup, on est parti. Donc au niveau de ce jeu, c'est toujours dans la même idée que Monster Hunter, en fait c'est... l'équivalent, si je me trompe pas, de que Konami a fait, si je me trompe pas, c'est Konami. Hop, que je regarde ça. Que j'ai peu. Ils l'ont marqué nulle part en plus de ça. Bref, normalement, ça devrait être le cas. Mais globalement, il est un peu plus rapide au niveau des éléments de gameplay. C'est beaucoup, beaucoup. Plus réactif. Ah, j'ai oublié de mettre mon chat en plus de ça. Et voilà, voilà, voilà. On stream pas pendant un moment et on perd tous les bons réflexes. Hop. Donc là, on est bon, on a le chat, c'est parfait. Est-ce que je le vois aussi? Je le vois pas là, pourquoi? Il est où mon chat? Il devrait être là. Que je le vois... Oh non, me dis pas que ça a changé. Alors... que normalement, il marchait bien, lui. Hop, on va voir ça... Là, je le vois même plus. Donc. On va virer toutes les applis. On va le mettre lui. Et du coup, ça marche pas avec ce jeu. Laissez-moi voir si avec en changeant quelques settings, on pourrait pas réussir à faire quelque chose. Graphique. Screen res, oui. Est-ce qu'on peut faire ça? Ah bah ça marche beaucoup mieux. Voilà, du coup je peux vous voir. Tout est setup niveau technique, ça devrait pas être mal. Mais donc voilà, donc c'est l'équivalent Konami de Monster Hunter. C'est beaucoup plus rapide au niveau de tout ce qui est mission. Généralement, ça dure entre 3 à 5 minutes. Et je trouve ça assez sympa en fait. C'est quelque chose qui me botte pas mal. Donc là, si je ne me trompe pas, on avait quelqu'un qui aimait pas les attaques de glace. Je sais, j'ai beaucoup trop d'imagination quand il s'agit
de nommer certaines choses. Mais bon, bref. On est parti, on va voir un petit peu le gameplay. Donc il a fallu que je change pas mal de touches, parce que ça marchait pas bien, en tout cas moi je n'ai pas joué. Mais là on va pouvoir voir ça avec notre petit ami ici. Donc on a 10 minutes pour le tuer. Je suis pas sûr que ça va, que ça prenne autant de temps en fait. Hein. Ok. C'était pas prévu. Super. On prend un petit peu de dégâts. Pas de raison. Ah, j'en ai pas vu. Ah bah oui, bah par contre le gros là. Oh, j'ai touché quelque chose qui marche bien. Par contre là, je vais mourir si je fais rien. Hop. On va se healer un peu. On va aller manger. De la rayonnée. Donc c'est ça la différence aussi avec Monster Hunter, c'est qu'ici on peut avoir beaucoup d'armes d'un coup en fait. Alors, oh mince, je l'ai loupé, sérieux. C'est pas grave. Donc voilà, on mange les monstres pour devenir plus fort. En fait, c'est pas mal. Laisse-moi voir. Ça, on peut pas faire de dégâts dessus. Non. Ah, je voulais. Non, pas vrai. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, ils m'ont bien tué. Bah, putain. Oh mince, c'était pas prévu. J'avais pas vu. Les dégâts. Bon, heureusement mes gars sont plutôt forts, donc ça en fait c'est pas trop mal. Voilà. On va en propulser, on va faire un maximum de dégâts. Comment j'ai pu mourir là-dessus? N'importe quoi. C'est pas grave. Ça arrive. Bon. Bref. Ah oui, aussi. Bon, bah c'est comme Monster Hunter, hein, quand on finit l'émission. Et vu que je suis toujours dans la... comment ça s'appelle? Je suis toujours dans l'histoire. Faut quand même que je récupère un minimum de consommables ou en tout cas tout ce qu'on peut trouver sur le champ de bataille. On récupère ça pour pouvoir faire bah, la même idée, hein, donc des armes, armures, etc., etc. En plus de ça, donc on a une équipe de PNJ qui nous accompagne et qui progresse en même temps que nous, donc c'est pas mal non plus. Next. Voilà. Et donc là, en fait, je suis en train d'essayer de passer des classes. Je sais pas qu'est-ce que ça nous permet d'avoir. Mais je sais que de toute façon, j'ai envie de faire toutes les missions du jeu. Là, pourquoi je peux pas avoir One? Ah, j'ai besoin. Ok. Et là, par contre, je peux faire tout ce qui est élite. Donc là, on peut y aller. Et là, par contre, les élites,
Ça va être un petit peu plus compliqué parce qu'on va être tout seul en fait. Et là du coup le monstre n'aime pas le feu. Mais ça devrait se passer correctement quand même. Hein. Ça devrait pas être très très différent. Je sais pas ce que ça va m'apporter par contre. La différence entre Elite ou pas. Mais bon. On va voir ça. Voilà, mais ça, les missions de certification, ça va pas être très utile en soi. Ah là, hop, on va essayer d'être. Voilà, on fait un petit peu de dégâts à distance. Ouais, je sais pas pourquoi ça a pas l'air tellement. Non, pas rester là, ça a pas l'air très très intelligent. Bon, bah voilà, ça a l'air assez facile hein, comparé au dernier. Ah mais il y avait le deuxième aussi. On était pas prêt. Et ici, voilà, la différence, Monster Hunter, on a plutôt des évasions à faire, alors que ici, c'est plutôt utiliser son shield pour bloquer. Bon, lui aussi, du coup, il se casse. Hein. Pas cool. Yes, chauffé. Bon. Il y a plus de personnes, hein. Oh, je les ai défaits les deux. Les deux en même temps, sympa. J'ai pas eu de dégâts. Non, incroyable. Bon, oh, c'était pas si mal que ça. Mais c'était assez facile, quoi. Et voilà, comme j'ai dit, l'émission, elle était, celle-là, elle durait 10 minutes. Je suis resté 4 minutes pour la faire. Pas trop de problèmes. Après, je suis peut-être j'aime peut-être un peu trop de niveau au niveau de mes équipements pour mourir dans ce genre de mission. Contrairement à celle d'avant où c'était apparemment la limite de limite par rapport à ce que je devrais faire. Bah parfait ça. Bon, on passe à la prochaine. C'est rigolo parce que dans d'autres... comment ça se fait ? Allez. Attendez un tout petit instant, j'ai un petit problème avec mon chat. Forcément, avec un chat malade et l'autre qui essaye de lui faire peur, ça va pas marcher. Définitivement. Alors, ici, on doit avoir des petites... comment dire... Bah, des petites munitions différentes. C'est un peu embêtant de devoir changer tout le temps, mais c'est pas grave. C'est le but du jeu. En plus, les munitions là, elles font tellement de dégâts que je suis obligé de les utiliser. Ça me fait gagner énormément de temps. On 1000 de dégâts la plupart du temps. Mais... Et ben, on va directement pour la target. Et ben voilà. Alors, on va se mettre là et on va lui manger les pattes. Voilà.
Non. Ah non, je l'ai pas vu. Eh ouais, non, mais faut pas que je me fasse à l'heure. Ah ouais. Bon là. Voilà. Ah, vraiment? Faut que je... Faut que je fasse ça. C'est quoi ça? Nice. Bon, par contre, l'autre qui m'aide pas. Hop, on va juste aller se cacher rapidement. Pour manger. Mais sérieux? Tu m'énerves, saleté de Little Beast. Normalement, je peux plus. Tout ça pour ça. Mauvais, 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 très mauvais sur ce, sur cette mission-là, j'y crois pas. Ah, j'ai même pas utilisé mes munitions, rien du tout. C'était pas optimal. On va éviter de mourir comme ça aussi. Alors du coup, ma question est-ce que je peux voir mon OBS? Oui, je peux. Super. Ouais, bah oui, j'étais très très mauvais là, mais pas besoin de me le dire.
Hop. On passe à la prochaine mission. Bien sûr, petit chacha a besoin d'amour. Perdu. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Comment puis-je t'aider? Ouais. Trop d'amour. Est-ce que tu ne pourrais pas tenir toute seule sur mon épaule? Tu peux? Regarde, on te met en échec. Tu veux pas venir? Comme une écharpe. Tu serais parfait. Voilà. Tu tiens parfait. Non, tu veux pas. Hein. Non. Non, pas le micro par contre. Sinon les pauvres viewers ils vont rien comprendre. Ça va faire des bruits de fou. Ouais. Oh là là. Et voilà. Et bien bisous, t'es content? Ouais. Allez, on va essayer quand même d'avancer un peu parce que sinon on va rester sur. Alors, on a débloqué aussi quelque chose, donc ça c'est assez intéressant aussi. C'est que comparé à Monster Hunter, il y a des trucs qu'on peut développer. Mais ça va juste... Voilà, Chance of Awakening 100%. Ok. Donc ça, en fait, contrairement à Monster Hunter, on développe ce genre de choses en augmentant le niveau, tout simplement. Voilà, donc ça c'est tout ce que j'ai débloqué grâce au vertical. Ok. Et donc ça, il faut que j'apprenne Soul Eater ou Nightmare Reaper. Soul Eater, j'ai envie de l'essayer parce qu'il va falloir que je l'augmente en fait. Donc, parce qu'une fois qu'ils sont niveau 5, ça va être le niveau maximum, malheureusement. Mais du coup, je vais essayer de prendre Soul Eater, donc ça sera l'autre. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre comme chose, tout simplement. Parce que là, on a ça, donc c'est cool. Ok, je suis curieux. Ça ne marche que là-dessus, vraiment? Ok. En tout cas, je le trouve vachement stylé. Ok, si on essaye ça. Non. Ok. Un petit fire. On a donc. Non, mince, je voulais essayer. Je voulais essayer quand même. Là je l'ai pas vu se mettre en route. Bon. Aucune idée. Donc ça fait. Ça en fait c'est intéressant parce que ça fait deux attaques. Okay. See ya.
Ok, anyway. Ça, ça fait quoi? Oracle Blade et Twin Moons. Ça va être compliqué en fait. Et si on essaie la Crescent Moon parce que. Ici. Ok, mais le problème c'est que je suis jamais sûr d'attaquer de mon côté en fait. Trois directions. On peut essayer hein. Je l'ai pas vu partir. Les autres, elles sont parties. Ouais. Si j'essaye de faire ça. Ah il, non, il part de son côté. On va essayer de prendre ça, ça devrait pas être si mauvais. Celui-là, donc, ce serait mieux de mettre celui-là. Et celui-là, bah, je l'utilise pas vraiment, donc pas très intéressant. Ma mission, si je me trompe pas, il me fallait du feu. Oui, on a deux nouvelles. Ah non, il n'y avait pas besoin en fait. Ok, bah let's go. Ça c'est assez facile pour tuer donc tous les petits monstres. Well, let's get started. 3 minutes of activity remaining. Need to step on the gas a bit. On va essayer. Je vais mettre tout au même endroit. Pas sûr que je devrais m'en occuper. Oh mince, il est sorti comme ça. Non. Le niveau et du coup ça va faire beaucoup plus de dégâts à la fin. Hop, on va ça utiliser. Dommage, bon c'est bon, on en a plus. On va voir si on va passer tout le niveau. Voilà, voilà.
Oh, seulement un S plus, vraiment. J'aurais cru que j'aurais pu faire mieux. Dommage. Ah, mais je l'ai passé niveau 2 déjà. Oh, super. Yop, yop, yop. Donc voilà, on pense qu'on est passé classe 5. Je sais pas du tout à quoi ça sert, par contre. Ça nous donne peut-être des bonus, ça nous permet très certainement de looter des trucs, mais bon, pour le moment, c'est pas ça qui est ça. Ah, du coup, on reste sur du divine. Je crois que j'ai la bonne... Non, on est en feu, je crois. Yup. On va sur du divine pour les éléments. Comment dire? Mais oui. Pour les éléments qui ont besoin d'être utilisés, parce qu'ils sont weak. Ils sont faibles contre l'élément du divin. Je vais leur envoyer un prêtre. Hop là. Alors, le premier, mon favori. Hop. Oh, je l'ai loupé, il est sérieux. Bien réussir un jour. Yes, réussi. Ok, super. Hop. Non, il s'est barré. Ah, il va pas du côté en plus, je me croyais. On est tellement slow. On entraîne mon feu.
Yes. C'est clairement pas la meilleure des attaques, mais bon, j'ai besoin de l'augmenter. Allez, vas-y, viens. Yes. Comment ça va être pas trop mauvais. Mais il est super fort, je vais jamais. Sérieux? Mais j'en ai deux à tuer, je pense. Non! Il est sérieux? Il m'a fini? Oh, il m'a tué. Reste ou pas là? Non mais c'est pas possible, va falloir que je la refasse. Non. J'ai 2 minutes 10, t'es obligé de t'en aller. Je sais que j'ai choisi le mauvais truc, mais tu pourrais rester au moins. Alors, est-ce que c'est la bonne distance? Oui, yes. Bon, je sais pas ce qu'on va essayer. Oh my god, avec l'eau, ça va être compliqué, hein. Hey, don't barge in. Hound
Et ouais, il y a toujours celui-là. Il faut que je le finisse en très très peu de temps. Ok, pas le temps de... Pas le temps de baiser. Mais non, mais... Ah, il est sérieux? Incroyable. Ah non, j'ai pas assez de dégâts. Si j'y vais avec le mauvais soul staff, ça va pas marcher. Ah oui, mais je lui ai fait passer un niveau quand même à force de fight comme ça. Bah là, du coup, ça va être, ça va aller beaucoup mieux. Je vais peut-être pas refaire celui-là. Okay. Non, on va peut-être pas y aller avec celui-là. Oh. Allez, on y va, on va voir. On va peut-être mieux le gérer ce coup-ci. Mieux gérer les dégâts. Alors attendez là, parce que j'ai mon chat qui a vraiment tout enlevé. Diego, sautez le biche. Alors attendez un instant, je vais appeler le maître.
Et voilà, de retour, quelques petits imprévus ici et là. Je suis navré, mais malheureusement ça arrive. Pas vraiment. Qu'est-ce que je vais y gagner ici, je le fais. Ouais, bah on va faire des normes, des missions normales. Standard. Ouais, on va faire ça. Alors, remets-moi Hugo, remets-moi Fim et remets-moi Lulu. Hop. Et là, on avait dit, du coup, c'était le feu. On va l'arrêter, on va recommencer. Je suis pas sûr. Bon, j'ai mis du feu de toute façon, donc on peut prendre celle-là. On va faire ça. Et on va voir ce que ça donne. Alors. Le grand méchant est là-bas. Je vais aller faire tous les petits trucs parce que sinon c'est très bon. Wow, ça m'a touché du muscle là. Bon, là, je vais. Il s'en va pas plus. Sinon, ils viennent toujours en plein milieu de tout ça. Allez, on va essayer de. Hop, super. Hop là, il dévore. Tout ça qui fait du bien. Nice! C'est pas beaucoup de dégâts quand même. Elle est partie où? Hop. Roger that. Go.
Bien. On y va, on essaye de rejoindre l'autre avant d'être en fin. On va lui faire. Hop, on va pouvoir finir tout ça. Almost finish, ouais. Elle a pas l'air d'être dans la même intérêt que nous. Bizarre. Et bah voilà, c'est fini. Normalement on va presque passer un niveau, il y a pas mal. Au vu du nombre de... Comment ça s'appelle? Du nombre de fois qu'on a utilisé ce burst art là, c'est n'importe quoi. Ah c'est là. Ah ça passe pas les... Youhou! Let's go! On va essayer de trouver des trucs. Hop là! Chinese herb! Ouais. 40% c'est pas mal. C'est pas mal. Une fois qu'on est niveau 4, ça sera quand même beaucoup, beaucoup mieux. Je pense. Je suis pas un super, super expert, mais... Je vais juste aller voir comment mon petit chat se comporte pour être sûr qu'il n'est pas...
Bon, le petit chat est très content d'avoir enlevé son pansement. Bon, j'espère que rien ne va lui arriver, hein, parce que j'ai pas l'intention de trop y toucher non plus. Comme j'ai dit, beaucoup d'imagination. Alors... Il me tient. Alors, madame, est-ce que tu vas me donner d'autres missions? Normalement, t'en as plein. Celle-là, niveau 4, j'ai tout fait. Vous êtes bien mignon, mais qu'est-ce que je vais gagner si je le fais? Ça, ça a l'air d'être des niveaux. Des matériaux de niveau super haut. Mais moi, j'ai juste besoin d'un truc de bas niveau en fait. Attends, avant de la lancer. Bah ouais, mais non, je vais pas la faire. Bon, j'ai besoin d'un truc de ce niveau-là. J'ai besoin du Shine Ambrosia. Condition automatique est 30%. Non, pas 30%, 14%. Donc on va être obligé de la faire plusieurs fois. En plus, c'est en deux niveaux. J'ai pas vraiment envie. Est-ce que tu as le Shine Ambrosia aussi? Franchement, j'ai pas envie de le faire en deux fois. Celle-là, elle serait quand en une fois? J'ai 12%. Ouais, ben pour quelques pourcentages de différence, on va prendre celui-là. Donc celui-là, on doit prendre un loadout de feu. Hop, hein. Et voilà. On prend ça et on est parti. Parce que j'ai besoin d'upgrade mon sniper. Et malheureusement... J'ai pas le stuff jusqu'à présent. Incroyable. C'est moi ou le boss il est pas là? Bah si, il est là. Pourquoi il ne montre pas sur la map? Alors là, petite destruction des mondes. Voilà, super. Petit jeu. Ok. Ah, finalement il m'a eu quand même. Non, non, non. Bah bien sûr. Comment? Oh là 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 là. Oh.
Scary sometimes. It's an honor to be able to help. Hop, voilà, donc ça c'est fini. On va récupérer un petit peu. Mais quelle bande d'abrutis ces gens-là. Mais non. Un chat qui est malade, il trouve rien de mieux à faire que de sauter dessus. Incroyable. Bon, si je me trompe pas, on l'a pas reçu dans le l'item qu'il nous fallait en fait. Depuis tout à l'heure. Du coup, mon. Attendez un qu'est-ce que je vais faire de tout cela? Les plus intelligents. Alors, est-ce qu'on pourrait pas le crafter? Ça serait quand même bien, ça. Pas moyen de filter quelque chose. Enfin, de toute façon, c'est pas difficile. C'est le seul où j'en ai pas, donc. Mais non! Les uns les autres, on n'en parle plus. Ça fera du nettoyage. Bon, non, je peux pas crafter ça, malheureusement. Si je cherche dans tout ça, tout ce qui est ambrosia, je peux pas crafter, malheureusement. J'ai une mars ambrosia, mais j'ai pas le reste. Mince alors! Laisse tomber. Et ben on va faire les nouvelles missions pour le moment parce que j'ai pas envie de refaire 50 fois la même mission pour drop un matériel. On va faire quoi?
2A, 2... Bon, on va faire la 2, tout simplement. Donc lui, il a du Divine. Alors, on doit avoir du Divine pour l'attaquer. Alors, si on a du Divine... Hop. Super. C'est une très bonne nouvelle. Oh. Hein? Toi t'es mort. Toi t'es mort. Maintenant on peut aller attaquer papa. Au gros papa d'ailleurs. Nice. Eh mince. Ah. J'aimerais bouger. Voilà, on va commencer à y aller. On est parti. Allez, je fais zéro dégâts, mais c'est pas grave, on y va, on y va, on y va, on y va. On essaye.
rien eu finalement. Et on est parti. Je vais faire plus que ça maintenant. Mais parfait. Vérification de jeu. Toujours en vie, c'est parfait. Des organes de camouflage. Si c'est pas génial tout ça. Oh le niveau 4. Génial. Ouais, je crois qu'il est à 100% 100% tout le temps maintenant. Du coup, ça va être un petit peu nul. Comment qu'on fait? Je crois qu'il va falloir que j'en prenne un nouveau là. Parce que j'aimerais bien m'axer pour trouver si ça se trouve, il y en a un qui est caché quelque part et qui est vachement bien. Lui, on a besoin de def, pas de tuer certains monstres. Celui-là, bon, on l'a déjà, donc c'est pas grave. Ça, ça montera plus, le Warrior. Eh ouais, le Warrior ne va plus jamais monter. Réduit le coût. Ça, je sais pas comment faire. Speed of melee attack. Ouais, mais ça, je le connais pas non plus. Ça, ça pourrait être rigolo. Ouais, bah ça, à la limite, c'est faisable. Et sinon, on a le Warlord. On doit performer plein de dévores. Ouais, mais ça, à la limite, on peut prendre. Ça, on n'a pas. Ce serait peut-être bien de faire un upgrade craft. Craft burst unit control. Qu'est-ce que ça fait, ça? Increase step speed and distance. Oh. According to the level, ok. Je préférais celui-là en fait. Qu'est-ce qu'il me faut pour le craft? Oh, bien sûr, j'ai pas ce qu'il faut. Anyway. Ça, j'ai toujours pas ce qu'il faut. Non plus, mais il manque pas beaucoup de choses par contre, donc ça c'est cool. On a les skills aussi qu'on pourrait changer. Lui, je lui ai juste mis Venom, cela faut que je les garde, cela aussi. C'est pas une bonne idée ça.
C'est pas une bonne idée. Globalement, ça veut dire que il augmente de 2% mes attaques quand l'ennemi adverse est plus fort. Non, c'est pas une bonne idée. T'as pas le temps d'attaquer. Ça sera bien, en fait, pour faire du farming, en fait. Ouais, bon, bah ça, on va pas y toucher. Je ne pense pas. Pour les guns, il avait bottomless, qui veut dire... ouais, non, mais le truc qu'il a en ce moment, en fait. De toute façon, je l'ai même pas activé au niveau plus, donc... est-ce que je peux le mettre, peut-être? Est-ce que j'ai un bottomless, ici? Parce qu'à la limite, ça serait bien. Ouais, donc je l'ai pas, donc... Dans tous les cas... On repart pour une mission, les gars. C'est parti! Oui, donc celle-là, elle est faite. Cool. Lui, il nous faut juste de l'électricité. Ce que j'utilise pas souvent, je vois qu'il y a plus de monstres qui sont weak à tout le reste, que l'électricité, c'est quelque chose que j'ai fait une fois, peut-être deux. J'ai pas utilisé plus que ça. Mmh. Il est déjà là, le grand méchant. Génial. Alors, non, je veux sa tête, moi. T'es sérieux? Oh, super. Est-ce que ça compte pour lui? Non, ça compte pour un aussi. Mais non, mais d'où il m'a suivi comme ça? C'est bien parce que ça nous invite à rester en bas. D'accord. Là, bam. Et oh, c'est tellement fort en même temps. Voilà. Mais non, mais pourquoi il va attaquer l'autre? C'était pas très très super smart, en fait. Bien sûr.
Alors, ils sont en train de faire joujou là-bas. Par là. Et du coup, on retourne là-bas. Vous croyez qu'il y en avait qu'un aussi. Forcément, quand même. Sauveur, tu as cru. Wow, où c'est qu'il est à Paris. Non, t'en vas pas. Voilà. Mais non, deux fois, vraiment. Nice. Oh. Finalement, le rang 5, c'est quand même un peu plus intéressant que les autres. Que les autres, c'est pas vraiment pas ça. Ah, loupé. Bon, ok. Là, du coup, on a tout récupéré, c'est fini. Là. Et ben super tout ça. Oh, j'ai déjà passé à un niveau 2 avec le Warlord. Oh, c'était rapide, tiens. Ah ouais, quand même. Quand même. J'ai réussi à l'activer autant de fois. Ok, super. Super, super. Intéressant. Je reviens juste un instant. Comme d'habitude, petit check sur les minous.
Alors, prochaine mission. Voilà, on est reparti. Mission standard 5, oui. On est parti pour du feu. Bon, on va utiliser des trucs de feu. S'il me dit que ça marche, moi je le crois. Alors... Du coup, c'est lequel qui est où? Ah, c'est madame que je veux en premier d'abord. Je sais pas si c'est madame ou non. Mais... Non! Mais... Oh, il est sérieux? Mais non, mais d'où ils l'ont pu l'autre? Pourquoi ça? Bon, allez, on va retourner. Incroyable. Yes. Ouais. Hop. Ok, bah finalement, ça. Bon, on va aller voir l'autre. Qui m'a fait... Je t'en ai. Hop. Ah.
Mais non! Voilà. Non. Mince. Ça c'était du télégraphe en plus. Non, 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 non. Elle va aller vers où? On va aller par là-bas. Je pense que c'est le bon moment. Je suis pas certain, certain. Ouais, bien sûr. Est-ce qu'on peut... Mais on va prendre ça. Primary target confirmed. Lulu, you detected primary target and on va continuer d'augmenter ça. Bon, et puis voilà, c'est tout. Ah. Petit check de chat comme d'habitude. C'était un petit peu mieux, ça améliore. C'est génial. Du coup, lui, il est bientôt niveau 5. Au début, il est déjà niveau 3. Il y a un gars qui nous dit qu'il sait pas ce qui se passe. C'est super sympa, parce que c'est un peu mon corps, quoi. Enfin, le corps de mon héros. Tu sais pas ce qui se passe. C'est super. Mais en attendant, avec le Warlord, on gagne 20% quand même. 20% d'amélioration. Alors là, on va avoir Increase the power of BI effect. Non, ça c'est un peu bourré. Increase the power of Aragami abilities. Je suis pas certain là par contre. Breaker. Increase the power of. Bon, j'en ai aucune idée. Hein. Increase the power of melee attack against part broken by bone. Ça, par contre, je connais pas. Ok.
Ça c'est assez simple. Mais je vois pas trop l'intérêt. Je vois pas l'intérêt de beaucoup de choses ici. J'aimerais beaucoup savoir qu'est-ce que ça nous donne tous les autres. Overlord. Parce que j'ai le Warlord, maintenant j'ai l'Overlord. L'Overlord, j'aurais besoin du Lancer. Bah, je pense que je vais partir là-dessus juste pour avoir le l'Overlord en fait. Je vais passer quand même le Warlord niveau 5. Ça a l'air quand même pas mal. Pas mal du tout même. Trinity Spin, ça serait quoi? Ça fait quoi du coup? Oh. Pour certains là. Faudrait peut-être que je fasse ça. Peut-être que je le mette pour pouvoir. Et ouais, bah voilà forcément. Waouh, c'était pas mal ça. Ça fait quasiment 1500 si c'est bien mis. Faut juste être sûr d'être vraiment au-dessus quoi. Parce que ça, Dystopia. Du coup. Alors peut-être qu'il faut se mettre en face en fait. Oh, ça fait 1300 aussi. Mais c'est plus facile de se mettre en dessous, enfin, devant la Ragami en fait, que là il faut se mettre un petit peu sur le côté, j'ai l'impression. Même pas en fait. Un petit peu à droite sur le côté là. Après l'avantage c'est que ça tu peux te faire pas mal de choses. Ouais bah je vais prendre ça pour... Quoique non pour le moment je vais prendre ça. Ça dépend si j'ai quelque chose qui vole ou pas en fait. Ça c'est toujours compliqué, j'arrive jamais à me rappeler que ça existe. Voilà, c'est pas mal, mais... Ok, faut que je me rappelle de l'utiliser, ça. What? C'est quoi ça? Je veux savoir qu'est-ce que c'est ça. Attends, c'est quoi ça? Ouais. Ah mais c'est nul, ça reste pas. Non, je suis pas fan en fait. Quoique, attends, on va arrêter.
Peut-être qu'on aime bien en fait. 7000 de dégâts. Il est que niveau 1. Parce que sinon, on a aussi ceux-là qui est vraiment cool. Wow, les dégâts, génial. Ceux-là qui sont un peu nuls. Et on a le Nightmare Reaper. Je sais pas c'est quoi le Cliffhang. Allô? Ok, see you soon. Ok, wait, yes, I will be coming. Yeah, just in front of the out of the English exit. Okay, no problem, I'm coming. Well, Diego is okay, he just removed all the stickers for now. He don't touch the rest, so I let him like that. He's moving too much. But maybe it's because he have something in the leg. Well, you will see what you want to do. Okay. I will keep you updated. Okay, so that sounds good. So 30 minutes in Metropolia. Okay, so see you soon. Okay, du coup, mesdames et messieurs, alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas si vous avez compris, mais globalement, je vais devoir tout simplement aller chercher ma femme. Du coup, je vais juste vérifier quelque chose. Ici. Voilà. Du coup... Ok, comment on voit ça? Je sais pas. Donc du coup, voilà. Moi je vais y aller et je reviens du coup un petit peu plus tard dans l'après-midi. Sur ce, si je vous revois pas plus tard, je vous souhaite une excellente journée. Allez, ciao ciao!